Presque la moitié. J'ai passé. Antonin, t'as vu? Attends. Non, j'ai pas vu. Je l'ai passé. Yo, salut, c'est Lightmanus pour cette GoTraining numéro 67. Et aujourd'hui, c'est assez spécial. Je sais pas si vous l'avez vu dans la dernière vidéo. Mon professeur Antonin nous a annoncé qu'on aurait un praticable de gymnastique à ressort. La première fois de ma vie que je vais pratiquer le tricking sur un praticable à ressort. On m'a dit que ça rebondissait genre deux fois plus que le praticable normal. Donc j'espère que je vais pouvoir balancer des figures que je balance jamais d'habitude. Allez, petite parenthèse, je suis grave à la bourre avec lui. À quoi va ça va ressembler? Yes, yes, yes. Vous voyez les salles comme ça là, avec des gradins partout? Je kiffe ces salles-là. Salut Thomas. Ça va B-Boy? Regardez-moi ces bras. Ça y est, un million de vues, un million de vues là, c'est sûr. Merci, chaise. C'était un corps pourri là. De go training en go training. Voilà, le pratique de tricker, le nôtre, c'est les cubes en mousse. Et là, c'est des roches. Je vais tenter double full au sol. Une roue avec une double vrille après. Ah ouais? Ouais. Là, je vais là, je vais essayer là. Are you ready? Double vrille. Là, c'est la moitié. Je l'ai passé. Check-moi ça. Je l'ai passé. Je l'ai passé. Antonin, t'as vu? Attends. Non, j'ai pas vu. Je l'ai passé. Je te jure, je l'ai passé. L'émotion. Mais j'y crois pas. Everything changes. Hop là. Retour au gymnase avec le praticable simple. Ça va faire bizarre parce que vraiment là-bas, alors je sais pas, c'est peut-être psychologique ou quoi, mais vraiment je sens qu'il y a beaucoup plus d'impulsion que sur ce praticable là. Moi, c'est Race Cork que j'ai envie de placer. Si j'arrive à passer un Race Cork. Yeah.
m'énerve, il a un potentiel de ouf là. Et il fait rien, il a peur. Vas-y, cache-toi la gueule un peu, mais au moins essaye. Tu fais départ debout, moi je te montre un départ debout, vas-y. Les pouces jaunes. Cork Club. Le Agent Cork Club, on va l'appeler. Je vais faire rentrer que ceux qui ont cork. Ceux qui n'ont pas cork, ils rentrent pas dans mes vidéos. Tu sais, il fait un départ pied comme ça. Il part comme ça, il fait hop, et après il fait un cork. Ah ouais. C'est des switch, ils m'ont fait. J'ai vu que t'allais vachement en hauteur avec ça. J'ai vu que tu fais comme ça, fait. Comme ça. Moi je fais pas du même coup. Yo, je t'emmerde là. Oh, le clash. Pour avoir tous les départs de cork, il faut que j'arrive à lancer en e-step. E-step, c'est quand tu fais un petit pas sur le pied comme ça. Si j'arrive à le passer, j'ai tous les départs cork. 1, 2, 3, go. Attends, je vais le refaire. Je pars pas, t'as tous les pales. Et le départ en pied, il est trop dur, tu peux pas partir. Hein. Ce mec est une sous-merde. Regardez bien, il va rater. La hauteur. Panto, je suis prêt à m'éclater la gueule là, ça y est. Je suis prêt à m'éclater. Si tu veux voir un race cork, je suis prêt à m'éclater la gueule. La caméra, passe pas devant la caméra, putain. Sors, bien. Oh, ça va. Il est en train de... Oh, mais t'inquiète. Bah, je peux pas applaudir, mais c'est... On est à la fin de la séance là. Demain je vous invite à 16h au skatepark. Mais pour envoyer du lourd, on va montrer au skatepark. Au skate, au skater, comment on fait. Au skater. On va leur montrer. On leur montrer. A chaque fin de vidéo, tu mets des teasers, tu vois. Ouais, la prochaine fois il y aura un praticable à ressort. La prochaine fois skatepark. Bon, je vous laisse. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de poster des défis en commentaire. Je commencerai à faire vos défis à partir de la Go Training 67. Ciao tout le monde. Go Training. Rouge.